Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Lors de notre dernier entretien, vous nous recommandiez d'être très prudent. Depuis lors, les marchés ont été très, très turbulents. Que s'est-il passé bah Écoutez, c'est comme dans un match de foot. Il y a un arbitre, un grand arbitre qui a sifflé deux fois, qui signale que c'est au moins la mi-temps, si ce n'est la fin de la partie. L'arbitre, c'est M. Bernanke, qui a donc clairement indiqué au monde entier qu'il fallait faire attention dans les investissements dits spéculatifs. Et la majorité des investisseurs qui avaient pris des positions très importantes dans les marchés émergents, dans les obligations en haut rendement, sont en train de vendre. Et ça a pour conséquence de faire baisser les marchés actions des pays émergents, les marchés occidentaux, les devises des pays émergents et de créer une instabilité dans cette région. Alors risque-t-on une crise financière euh, comme celle de 1997 au sein de, de ces mêmes pays émergents Pas tout à fait, parce que les choses sont évidemment un, un petit peu différentes. Néanmoins, la situation est quand même complexe, puisque ces pays ont énormément profité de ces liquidités. Ces liquidités sont en train de repartir, cela provoque des hausses de taux d'intérêt, des baisses de monnaie. Et dans ces conditions, en plus dans un environnement où la Chine est en train de continuer de ralentir sans interruption, Évidemment que les financements des déficits commerciaux de ces pays vont devenir difficiles et la situation va rester tendue dans cette région quelques mois encore. Donc on voit une situation très volatile. Les investisseurs vont donc devoir changer d'attitude par rapport à, à la prise de risque. Absolument. Et autant c'était facile de dire auparavant, dites-moi où il y aura de la création de liquidité, je mettrai votre argent et je gagnerai de l'argent. Autant aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il faut revenir au fondamental et essayer de se déterminer sur une croissance économique et de savoir où est-ce que cela a lieu. Mais il faut bien se rendre compte que le scénario économique est difficile à dessiner, qu'il y a deux alternatives qui sont un petit peu contradictoires aujourd'hui. Oui, il y a toujours eu euh, des scénarios contradictoires. C'est juste, et, mais aujourd'hui, ils ont des conséquences bien différentes et les probabilités sont plus ou moins équivalentes. Alors le premier scénario est intéressant, ce serait que la croissance économique américaine reparte dans la fin de cette année, puis se prolonge en 2014. Là, évidemment, la croissance des bénéfices repartirait également, ce qui soutiendrait les marchés-actions même si les taux d'intérêt devraient continuer de progresser dans cet environnement de croissance économique. Et la deuxième possibilité alors eh La moins attrayante, évidemment, ce serait que la croissance ne reparte pas. Évidemment que dans ces circonstances, le monde entier se dirait... Mais que peut-on faire alors si même les banques centrales n'ont pas réussi à relancer la machine économique Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance des bénéfices, et donc il n'y a aucune raison pour les marchés actions de justifier le niveau actuel des valorisations. Les marchés actions devraient donc alors souffrir passablement. Mais vous-dessus cela, y a-t-il un pays où les choses paraissent un peu plus claires ben, Peut-être le Japon. Le Japon a donc fait déjà deux révolutions, hein, en tout cas pris deux décisions très importantes sous le, le M. Abe, le nouveau Premier ministre, un changement révolutionnaire de sa politique monétaire puis un changement de politique budgétaire. Mais on attend la troisième flèche, comme il le dit, pour euh, que les choses changent. Laquelle Quelle est cette flèche eh ben, Ce sont les réformes structurelles, justement. Il faut à tout prix que le Japon réussisse à flexibiliser son marché du travail, que les entreprises japonaises retrouvent de la compétitivité, qu'elles puissent enfin engager, licencier sans entrave. Et que ce marché s'ouvre à l'immigration également, puisqu'on le sait, la démographie n'est pas très porteuse au Japon actuellement. Et quand cela pourrait-il arriver ben, Le meilleur moment, ce sera probablement après fin juillet, puisque fin juillet, nous avons donc des élections de la Chambre haute au, au Japon. Et M. Abe a besoin d'une majorité importante pour le soutenir dans ses réformes structurelles. Donc si ces élections passent bien, M. Abe pourra se lancer, ou en tout cas tirer sa troisième flèche qui fera que les choses vont enfin fondamentalement changer au Japon. Mais au vu de tout cela, euh, l'été s'annonce peut-être un peu compliqué, les marchés vont, vont rester euh, nerveux. Absolument, peut-être même tumultueux. Mais néanmoins, ce sont dans ces moments-là que les meilleures occasions s'offrent aux investisseurs, et on peut penser que les marchés deviendront plus attractifs en termes de prix, et que nous trouverons à ce moment-là l'occasion de réinvestir notre argent. Merci Michel Juvet. Merci.